vrai du faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors, Neymar, qui a dénoncé un joueur marseillais pour racisme, est finalement lui-même accusé d'avoir prononcé des propos homophobes envers ce dernier. Alors, on va se rendre tout de suite sur le plateau de Pascal Pro pour le débat de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débat qui allie mes deux passions, le foot et le racisme. J'ai failli dire mes trois passions, mais c'est vrai que l'homophobie, pour moi, c'est plus un loisir. Avec moi, pour en parler, un autre spécialiste foot et racisme, puisqu'il est fan du PSG et ami avec Nadine Morano. Bonjour Nicolas Sarkozy. Merci de votre accueillance, monsieur Pro. C'est très gentil. Je dois vous dire que je suis scandalisé par cette polémique. Vous vous rendez compte? Le joueur marseillais aurait traité Neymar de singe. C'est choquant. Mais où va-t-on? On n'a plus le droit de dire singe maintenant, c'est ça? Oh, vous y allez fort, Nicolas Sarkozy. Alors vous, vous jouez clairement en attaque, ça me fait plaisir. Et par rapport aux propos homophobes, qu'est-ce que vous en pensez? Ah! Paré, un tankula. Quelle belle surprise! Notre spécialiste de l'homophobie est arrivé, c'est le plus célèbre supporter de l'OM. Bonjour, René Malville. Ah, c'est honteux. Oh, papa, les arbitres de dimanche, c'est des loupettes. Neymar, cette starlette brésilienne, ne fiotte, papa. Les Parisiens, ils ont enfilé, hein. C'est vraiment Pascal enculé. Oh là là. Oui, alors là, bon, jusque-là, c'était intéressant. Presque poétique même, loupette, fiotte, enfilé. Mais alors, en m'appelant enculé, ça devient insultant, René. Enculé, une insulte au papa. Ça veut dire bonjour en marseillais. D'ailleurs, enculé Albert. Enculé aussi. Et évidemment, enculé le stagiaire. Enculé Nicolas Sarkozy. Oui, enculé aussi vous, monsieur Malville. Oh, mais non. Eh ben voilà. Je pense qu'on a eu une belle discussion, comme d'habitude. Ouais, bien sûr. Placé sous le signe de l'humanisme et de la fraternité. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat, pour ou contre la peine de mort, pour ceux qui sont contre la peine de mort. Un sacré débat en perspective. Élodie, alors, comme ça, ce soir, vous venez participer à mon nouveau jeu Boyerland avec Albert, c'est ça? Mais oui, Père Fouraca, bah, vous êtes bien informé. Ouais. Oui, effectivement, on enregistre ce soir, mais du coup, on ne découvrira la télévision qu'en fin d'année. C'est super ça. Oui. Pour ceux qui connaissent pas, Boyerland, c'est un jeu un peu comme Fort Boyard, sauf que Fort Boyard, c'est à la mer et on reçoit des équipes de stars. Et Boyerland, c'est tourné dans l'Oise et on reçoit Albert et Élodie. C'est un peu un Fort Boyard low cost. Bah merci. Par exemple, il n'y a pas de tigre. À la place, on a dessiné des rayures sur Passepartout et Passe-Muraille. Et du coup, ça fait des tigres. Tiens, d'ailleurs, vous venez tous les deux. Vous ne ramenez pas la boule avec vous. Coucou, Paul. Salut. Comment ça va, mon gars? Et Planchet, il vient pas, Planchet? Non plus. Dommage, hein, s'il est aussi rapide dans les épreuves que pour ses flash infos, on torche tout ça en 15 minutes et je peux quitter l'Oise le plus vite possible. Enfin, quitter l'Oise, quitter le cluster. Ça va, non. Vous allez voir, le jeu est super. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que j'ai peur que les candidats nous confondent et qu'ils aillent voir Albert pour l'énigme. C'est possible. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on y est les amis, on s'en fait une petite. Ok, parfois, allez, on se fait une petite énigme. Mais non, pas une petite énigme. Non, une petite ligne de coke, ça l'air. Non, mais faut pas faire ça. Non, c'est allez, pas de la vraie. Hein. L'énigme. Je préfère préciser parce que là, faut pas. Sinon, on est dans la merde. Hein. Bah allez, ouais. Allez, la boule, balance le son, frérot. C'est pas possible, c'est vendredi. Tu vois, un quart d'heure cette chronique. Ce son, c'est une tuerie de ouf. C'est WAM le numéro 1 sur Spotify, bande de bolos. Allez, Mélodie. Albert. Soyez attentifs.
Le parc des Gaulois, c'est le parc Astérix. Oui. Le parc des souris, c'est le parc Disneyland. Oui. Comment on appelle le parc des personnes âgées? Aucune idée. Le Parkinson. Avec celui-là, pas besoin de grand vide pour être secoué. Je crois que je vais faire mon dernier tour de manège. Bon, allez, ce soir, faire pour un. Bravo Marc-Antoine, bravo. Évidemment, tout ça, c'est pour rire. Bravo Marc-Antoine. Le replay de cette chronique toute la journée sur Facebook. Et puis également à 18h15. On continue avec Ava Max sur RFM.